Voilà. Désolé pour ces quelques secondes où il n'y avait rien du tout au début. J'étais en train de regarder au niveau du micro et au niveau du son si tout marchait bien. Donc là, j'ai juste passé 2 minutes à peu près pour voir si tout fonctionne pour le son. Alors laissez-moi seulement 2 minutes, je vais voir si ça marche. Est-ce que ça bouge là? Ok, donc apparemment, il n'y a pas le son du jeu. Écoutez, j'ai juste en fait fait les 5 premières minutes du jeu pour voir comment ça marchait. Donc attendez. Voici l'histoire de Lucky, un jeune renard insouciant qui vit dans la forêt. Et surtout, c'est mon petit frère. Plus jeune, nous ne rêvions que d'une chose, devenir des gardiens. Des renards héroïques qui parcourent le monde entier en quête d'aventure. En rentrant de mon expédition, je ne me doutais pas que Lucky était sur le point de commencer sa propre aventure. Après une recherche interminable, je l'avais enfin trouvé. Le livre des âges. Le livre ouvrait des passages vers d'autres mondes. Il pouvait même réécrire l'histoire. Mais je n'étais pas la seule à être sur sa trace. Il y avait aussi les Mistigris, une famille de criminels aux pattes de velours, sous les ordres de leur père Jinx. Donne-moi ce livre, gardien! Où je le prendrai moi-même! Les Mistigris arrivaient, et j'étais prête à en découdre! Mais cette fois-ci, le livre en a décidé autrement. En un éclair, Lucky s'est sacrifié pour me sauver! Mon propre frère. Lucky et les Mistigris furent aspirés dans les mondes du Livre des Âges, et l'avenir de notre monde était maintenant en danger. Lucky, si tu m'entends, c'est à toi de les arrêter maintenant. Allez, c'est parti. Alors. Donc là, je vais voir en fait comment ça rentre dans le jeu quand je suis en train de jouer tout en parlant. Parce qu'apparemment, durant la scène d'intro, la voix, on l'entendait plutôt bien. La voix de la narratrice. Donc c'est assez bizarre. Je vais essayer. Allez hop, s'il vous plaît. Lucky, tu as risqué ta vie pour me sauver, je veux bien grâce à toi. Avant que Jinx ne dérobe le livre des âges, notre famille était responsable de sa protection. Maintenant, je n'arrive plus à ouvrir les pages. Je ne peux pas te rejoindre dans ton aventure, mais je ferai de mon mieux pour t'envoyer de l'aide entre les chapitres. En attendant, fais tout ce que tu peux pour déverrouiller les portes et déloger Maître Patte Légère. Pour ce faire, il te faudra plus de trèfle porte-bonheur. PS, tu es en bonne voie pour devenir un vrai héros. Lucky, tu vas y arriver, je crois en toi. Bisous, Lyra, notre grande sœur. Donc, alors c'est un jeu de plateforme, hein. Enfin un jeu de plateforme, un jeu de plateforme aventure. Alors, voilà, je fais du bruit, je fais du bruit, je fais plein de bruit. Comment est-ce que ça va rendre dans la vidéo? Faisons du bruit. Attendez, je remets la vidéo. Enfin, je remets le live chez moi pour voir comment ça rend.
La vidéo ne veut pas s'afficher, bien sûr. Bien sûr. Alors. Voilà. Comment est-ce que ça rend? C'est un petit peu dur de tester en direct. Je suis désolé, mais... On entend le son, mais franchement, c'est pas super fort. Oups. Je vais l'augmenter en fait juste un tout petit peu. Alors ça va peut-être couper 2 secondes. Voilà. Je pense que ça devrait aller un petit peu mieux au niveau du son. J'ai augmenté en fait le son du jeu pour la capture. Donc on devrait entendre ma voix et le son du jeu en même temps. Moi j'espère. Alors est-ce que la vidéo va s'afficher? Vidéo affiche-toi s'il te plaît. Vidéo affiche-toi s'il te plaît. Ok. Ok. Bon. On devrait être bon. Allez hop, on va se lancer. Alors donc Lucky Tail en fait il vient de sortir aujourd'hui. Hein. Donc le 7 novembre 2017. Donc je crois que c'est un des rares jeux de plateforme en fait de l'Xbox One. On va voir comment ça rend. Ma foi, pour le moment, ça fait penser à Spyro un petit peu. L'époque PlayStation. On va aller voir par là s'il n'y a pas des trucs. Je sais pas si je peux aller en face. Je pense que oui. Ça, à mon avis, ça doit être le hub du jeu. Une sorte de hub à la Banjo et Kazooie. Voilà Mario. Ouais, c'est ça, je pense. On voit un petit peu ce qui nous attend après dans le futur. Donc j'essaierai de faire le jeu en entier.
si possible. Je sais pas si ça sera 100% ou pas. Ok. Quelle est la boisson préférée du golem? Je sais pas. La racinette. Je voulais dire l'eau minérale. Mince, un jour je réussirai cette blague. Ok. L'eau minérale, la racinette. J'avoue que là, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, on l'a eu. Porcelet en péril. Le jeu est pas si cher, hein. Écoute, je crois que c'était... Bon, ici c'est en yens, donc ça fait 2900 yens. Ça fait 30 euros à peu près. Donc c'est pas non plus un jeu triple A, évidemment. Y aurait-il un boss là-dedans? Avec une tête de mort, c'est fort probable. Contre les pièces cachées, je sais pas si ça vient de Mario. Vu que dans Mario, on a souvent ça. C'est peut-être possible. En bas, il n'y aurait pas un truc. Oula, oula, oula. Ça a l'air de continuer derrière. Enfin, je sais pas si c'est un décor. Si on pourra y aller plus tard. Bon, ben, on va aller au premier niveau. Et on va voir comment ça se déroule. J'ai juste en fait fait les deux premières minutes du premier niveau. Là, j'étais pas allé jusqu'au bout. Donc, je voulais voir en fait comment tout ça est confectionné. Tiens, j'avais pas vu la pièce tout à l'heure. Bizarre ça. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert les pièces. Donc, on a 3 cœurs. On a 6 vies. Apparemment, donc il y a 99 trèfles à voir. Qui doit être l'équivalent des étoiles, des pièces de puzzle, enfin bref, les trucs qui ouvrent les niveaux quoi. Allez. Alors, là, je vais faire gaffe aux plantes carnivores parce que tout à l'heure, en fait, je m'étais fait toucher 2 fois. Est-ce qu'on peut les toucher quand on est au sol? Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, on peut pas attaquer les ennemis directement, sinon on se fait toucher. Faut d'abord qu'ils s'étourdissent eux-mêmes, et après on les tue. Ok, donc ça, j'avais pas compris déjà tout à l'heure. Alors ça, on n'a pas de truc pour le péter, je pense. Donc toi, t'as perdu ton corps, c'est ça? Ah non. Ah, est-ce qu'on peut faire tomber sa tête sur son corps? Non. Dommage. Euh...
pièce. Donc on a un petit double saut. Après on a une attaque avec notre queue comme ça. On est un renard. Hein. Lucky le renard. Et après donc on peut aller dans le sol. C'est à peu près les trois mouvements qu'on a pour le moment. Je sais pas s'il y en aura d'autres par la suite. On verra bien. Et voit des petits trucs, on dirait les monstres dans Star Wars en fait. Oh. Ah, je pense que ça vient de Mario ça. Les pièces invisibles. Pile à l'heure, je suis maître patte légère du temple Shaolin. Pas mal le Shaolin. Nous sommes voués à nous battre, mais tu n'arrives pas à la cheville d'un maître de l'art du Miafou. D'abord montre ce que tu vois en réveillant le grand golem derrière ses portes, ensuite nous nous battrons en attendant. Disparition. Apparemment c'est fermé. Oula. À ce qui paraît, ce jeu-là, c'était un jeu VR à la base. Sur Steam, il me semble. Un jeu de l'Oculus Rift. À ce qui paraît, il était plutôt pas mal. Donc évidemment, vu que j'ai pas de VR, je ne sais pas du tout ce que ça donnait. Waouh, tu es un gardien, patte légère a brisé mon corps. Et maintenant je suis coincé là, peux-tu m'aider? Je dois sonner la cloche pour réveiller le grand golem, mais je ne peux rien faire sans mon corps. Mon corps de rechange attend près de la cloche. Si tu m'amènes là-bas, je vais essayer de le réveiller. Ah bah c'est la cloche derrière là. C'était une énigme assez dure, ma foi. Ça doit être un point de sauvegarde. Un petit aile. À la Donkey Kong. Donc, ok, donc ça c'est les trucs chronométrés du coup. Oh, du premier coup. Donc là la découverte commence. Ah tiens, je viens d'avoir un trèfle. Quoi ça? RT. Ok. Tout au fond, à fond. Un petit succès. Ah, c'est pas mal. C'est un tunnel à la Mario. Eh, mais c'est notre ami, non? Ouh la vache. Ok. Mm-hmm. Voilà à droite. Il y a un C. Le C de Luck. On va peut-être aller à gauche. Ah ouais. Parce qu'à mon avis, ouais, le trampoline à droite, c'est pour sortir du niveau, donc. Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, c'était une petite phase sympa.
Une petite face sympatoche, ma foi. Bon, le jeu, je pense pas qu'il soit très très dur. Quoique, on sait jamais. Hein. Oula, je suis où là? Je suis pas ressorti au même endroit. T'es quoi, toi? T'es un ennemi? Ok. Donc la queue, en fait, c'est surtout pour étourdir les ennemis. Quand on leur saute dessus, ils meurent. Attends, mes frères n'ont pas de tête, je ne peux pas le réveiller seul. Peux-tu trouver les autres? Ok. Ma foi, c'est plutôt sympa pour le moment. C'était pas là, ça, tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok. Je commence à comprendre comment ça marche. D'accord. Il nous manque plus que le Y. Ok. Ouh là là. Voilà. Je crois qu'on est dans le caca. Oh non, ça va, ça va, ça va. Ouais, ça va, ils sont gentils. Hein. Ouais, ils sont quand même gentils hein, au niveau du temps, dis donc. Désolé, j'ai pas fait exprès. Je
pense pas. Oula, je pense pas qu'on ait un truc en ramassant toutes les pièces, mais bon, on sait jamais. Hein. Il y en a partout quand même. Merde. Ouais. On s'est fait avoir. On va prendre le cœur. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a trouvé la tête. Ok. Oh. Encore un petit succès. Notre ami le grand golem vient de se réveiller. Comment on fait pour voir notre nombre de trèfles? Donc ça, j'ai pas encore compris. Est-ce que le niveau est fini déjà? Ouais. Ok, donc ça ouvre des niveaux, il y a plein de trucs qui se rajoutent. D'accord, et donc là. C'est ça, donc apparemment on a 4 trèfles par niveau. D'accord. Ouais, c'est des petits niveaux à la. La Mario World. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Bon, les pièces, c'est bizarre, mais je sais pas quoi ça sert. Pourquoi il y en a autant partout? En plus, elles reviennent. Ça doit servir à quelque chose, mais. Allez, on va aller dans le deuxième niveau. En tout cas, si les niveaux sont tous aussi rapides, aujourd'hui, on va finir le jeu. Hein. 100%. Oh. Ok. Un niveau de plateforme. Oh, c'est sympa ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que ça bouge? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura un truc à faire plus tard. Faudra qu'on s'en souvienne. Ah d'accord. J'avais pas vu les pics. Bon, tant pis pour la pièce.
Ok. C'est sympa ça comme type de niveau, franchement. Ah, le con. Putain. C'est plutôt une bonne idée quand même de mettre des niveaux comme ça. Est-ce que je peux aller là? Ah ouais. Oula. Tiens. Alors on a eu le U, mais on n'a pas le L. Donc le L est peut-être après. Un point de sauvegarde. Oula, oula, oula. Attendez. On a le U, le C, mais on n'a pas le L. Ça me fait peur, là. A, R, T. A, R, T. Quoi? Ah! D'accord! Oh! Je m'attendais pas du tout à avoir un dépassage comme ça, dis donc. C'est comme Donkey Kong, Rayman et tout quoi. Là par contre c'est chaud ouais. Je peux pas aller plus vite que les plateformes. Ok, donc on va le faire de l'autre côté j'imagine. Ok, ok, ok. Donc elles vont venir vers moi. Ok. Et donc là on a le K. Donc le L à mon avis il était au tout début du niveau. On va essayer d'y aller sans crever. Ah, pas un truc là? Non. Allez, on prend la pièce comme ça. Tant qu'à faire. Donc c'était ici. Donc d'abord celui-là. Ok. Ah voilà. Donc il y a un trèfle avec la patte, un trèfle avec les toutes les lettres de Lucky. Après il y a le trèfle qu'on doit avoir obligatoirement à la fin du niveau. Il y a un trèfle caché, point d'interrogation je suppose. Pour l'instant on n'en a aucun. Assez étrange. On va passer par là. Oula. Il y aura un truc là au milieu. Non. Ah d'accord, faut le suivre à lui en fait. Oui. Est-ce qu'il va nous débloquer un truc ou est-ce que c'est juste pour nous faire chier? Merde, j'ai crevé. Oh putain le salaud. Oula. Hey, merde. J'ai sauté mais ça n'a pas marché. Je crois que j'ai eu en plus ce trèfle. On a réussi à le choper en crevant. Allez. Ah ouais. C'est ça. Merde. Merde. Je suis tombé. Bon lui on s'en fout du coup. Vu qu'on a le trèfle. Donc là on a une vie. Ok. Merde! La
Ah putain, il glisse. Je suis pas encore habitué complètement au maniement, dis donc. Ah, d'accord. Ok, ouais. Il glisse des plateformes en fait quand on est sur le rebord, d'accord, d'accord. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Oh, c'est abusé. Il nous redonne une vie à chaque fois. Hop. Tant pis, on va aller sur cette plateforme. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Ok. Ah! J'ai un petit peu de mal avec l'inertie, donc. Le personnage est un petit peu lourd. C'est vrai que quand on sort de Mario Odyssey, ça change complètement la façon de jouer, le gameplay. On va reprendre le diamant. On va reprendre le diamant. Voilà. Ok. Oula, 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 oula. Ok. D'accord. Donc je sens qu'on va arriver dans un autre endroit à la fin. Y a pas de truc caché, non. Je dirais pas. C'est étrange. Y a rien. Bah, on est venu ici pour rien. Ça m'étonnerait, ça. Quoi? Je comprends pas, là. Y'a un truc que j'ai pas dû comprendre. Pourquoi on vient ici, en fait? En plus, je peux... Non, mais c'est l'inverse! Ah, c'est l'inverse! Et je viens d'avoir un trèfle, je sais même pas comment. Peut-être en dessous d'une plateforme. D'accord, d'accord, c'est l'inverse, en fait. On va au chemin de droite pour aller à gauche. J'aurais pas dû... Enfin, on était peut-être pas censé atteindre le truc en haut direct. D'accord, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Ah, j'ai sauté trop tard. D'accord, d'accord, d'accord. Ça explique pourquoi les monstres étaient placés dans ce sens-là, du coup. Ouais. C'est un petit peu logique. Ouf. D'accord, d'accord, d'accord. Là. Ok. Et donc le dernier trèfle, ok, ok, ok. Pareil. On doit avoir fini le niveau à 100%. C'est encore un succès. C'est la folie des succès aujourd'hui, hein. Toujours plus de pièces. Ok.
Ah, du coup, maintenant, on va prendre le pont. On va voir ce que c'est que ça. C'est un niveau bonus. Peut-être un truc caché, je sais pas. On se croirait dans Gears of War avec ce machin qui tourne. Sorte d'engrenage. Ah ok, donc c'est juste pour avoir un trèfle. Place ces renards dans les zones brillantes. Place ces renards dans les zones brillantes, ok. Ah, d'accord. D'accord, donc ça avance pas d'une case, mais ça va aller jusqu'en bas. Ok, d'accord. Merde. Du coup... Ah, c'est bon, je peux le bouger. Et voilà. Bon, ça va, c'était pas très très dur. C'est dommage que Microsoft... Putain, mais encore un succès! Waouh! C'est dommage que Microsoft n'ait pas beaucoup de jeux comme ça, parce que ça met un petit peu de fraîcheur sur le Xbox Live. C'est vraiment dommage. Même si Phil Spencer vient d'annoncer apparemment hier... Ah bah, prochaine énigme. Vient d'annoncer hier qu'ils ont envie d'acheter des studios de développement. Donc à voir pour le futur à venir si on aura plus de jeux de ce type-là. Et des jeux seulement sur Xbox One. On verra bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, toujours la même chose. Ça c'est quoi ça? D'accord. Donc ça, on peut les bouger. Putain, c'est des trèfles gratuits que tu me donnes là. Trèfle à 4 feuilles. Est-ce qu'on va tout débloquer d'un coup? Si oui, hein, on va continuer à se faire ces petites énigmes. Alors, prochaine énigme ou pas? Ah bah oui. Bon. C'est parti pour la prochaine énigme. Ah bah tiens, on a 10 trèfles maintenant. On doit pouvoir débloquer la statue de... Comment il s'appelle? Shaolin? Non, Miafou? Je sais pas. J'ai oublié son nom. Ok. Ah, c'est facile. Un petit peu de difficulté, s'il vous plaît. On est loin de Portal. Donc bon, après on en a encore 3. Allez. Ouais, toujours là. Alors,
Bah... Voilà. Plus que deux. Bon, c'est pas des énigmes très très dures hein, pour le moment. Du coup, je me demande si le monde qu'on est en train de faire, si c'est que un hub ou si c'est une sorte de monde avec des sous-mondes à l'intérieur. Ah, un petit peu de difficulté. Alors. Déjà, il y en a une. Faut la faire passer ici. Donc, toi aussi. Ah merde. Le mieux, hop. Comme ça, toi, tu vas pas nous gêner. Après, celle-là, on va la mettre là. En voilà une. Et donc la deuxième. Ouais, on va refaire le même coup. On peut le faire avec elle aussi. Ah, les pièces. Tant pis. Bon, bah on arrive à la dernière énigme. Ce fut plutôt vite expédié quand même. Ok, donc toujours deux statues. Alors, faut que j'en mette une en bas, c'est ça. Ok. Et là, du coup, pour l'autre, va falloir faire un tour. Comme ça, on fait un tour. Hop, elle va se stopper là. Et voilà. L'affaire de 5 minutes. Bah, je crois qu'on va aller au prochain niveau. Ouais. On va aller au prochain niveau.
Ah, on repasse sur un niveau 3D. D'accord. Putain, va falloir strimballer sa tête jusqu'au bout du niveau, j'ai l'impression. Y aura un truc ici. Ok. Ok. Merde. Faut que j'attende. Hop. Quoi? Ah. D'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'aurais pas dû passer là-dedans en fait. Ok, donc là, on a notre cas. Peut-être prendre le cœur. Et on prend le diamant. Ok. Non! Bon, ça va. Quoi? Non, ça devrait être bon. Je pense qu'il n'y avait rien à droite et à gauche. J'espère. Ah, c'est bon. On avait un pré-niveau avant le vrai niveau. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Oh! D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Mais c'est pas en fonction de notre poids en fait que ça bouge.
Ah, d'accord. Je pensais que c'était notre... Ok. Ok. Est-ce que il y a un temps? J'ai pas l'impression, mais ça me fait un petit peu peur. Merde. Voilà. Bon, apparemment, on n'était pas chronométré. Oups. Ah, ça va du coup. On peut prendre notre temps. Je pensais que c'était plus genre les pièces à la Mario qui disparaissent au bout d'un moment, mais non. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Donc c'est ça. Les pièces servent à avoir en fait des trèfles. D'accord. En fait, on est toujours dans le même niveau, hein, dans le niveau du robot. Ah d'accord. C'était le dernier trèfle. Oh, deux diamants. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va le refaire. Donc à chaque fois, il va nous donner un diamant. Ok. Ok.
il nous en faut 23, donc là on n'en a pas assez. Je me demande bien ce que ça va faire, ça. Est-ce que ça va débloquer un nouveau niveau à la fin, ou... un truc caché, un nouveau personnage peut-être? Ah, t'as essayé de quoi? Ah mais on aurait dû aller chercher deux diamants. Bon, c'est pas grave, c'est que pour des pièces. Mais après ce niveau-là, ça devrait être le boss. On va bien voir. Oh, niveau en 2D. Ah merde, je suis fait toucher. Ah ouais. Bah j'ai pas fait gaffe, dis donc. Comment il a fait pour me toucher? Bizarre ça. Ah, je saute dessus. Bah voilà. Étrange. On va bien voir si on a un trèfle avec les pièces. Je vais être attentif. Là, on a un levier. Celui-là, c'était le trèfle caché. Je crois que tout à l'heure, en fait, quand on avait eu 300 pièces, on avait eu la... le trèfle. On va voir si c'est la même chose ici. Ah. Merde, on a peut-être loupé un trèfle. Tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe à ça, à ce machin-là. Oula. Oula, oula. Oh, vite, 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 vite. Ok. N'empêche, c'est un très très bon jeu parce que on arrive à comprendre direct ce qu'il faut faire, même les trucs cachés. Merde, c'est pas des trucs cachés extrêmement durs. Ce qui fait que c'est un très très bon jeu quoi. Ah merde, on peut pas le tuer. Ah si. Ouais mais... ça m'a coûté un cœur le fait de le tuer. Est-ce qu'on peut aller à droite? Ah ok. En fait ce passage là c'est juste pour avoir les Y, d'accord. Donc à droite c'est pour continuer le niveau. Ah j'aimerais bien voir le cœur. Donc la plante. Ok.
Putain, comment on fait pour avoir le cœur, dis donc? Ah d'accord, c'est en passant par là. D'accord. Donc là, voilà, un autre trèfle. On est d'accord. On a quasiment 300 pièces. On va être fixé. Est-ce qu'on peut aller en haut? Je pense que oui. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Oh putain, c'était juste. Oh la vache. D'accord, 300 pièces, ça donne un trèfle. On a eu du cul, là, quand même. À 2 ou 3 pièces près, on n'avait pas notre trèfle. Allez, on va peut-être prendre les diamants d'abord. Et ensuite on ira au boss. Ah tiens, ouais, on a pas fait ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce passage? Est-ce que ça va nous emmener de l'autre côté? Oui. D'accord. Oula, il est en train de courir tout seul là. Très étrange. Okay, d'accord. Ouh, c'est extrêmement bizarre là. Ok. Un seul trèfle avec autant de pièces. Et un autre succès, vers l'infini. D'accord, donc j'ai récupéré tous les trèfles dans le chapitre du ciel. Donc ça, c'était un chapitre. Et encore un autre succès. Donc c'est bien ça, apparemment. On aura plusieurs chapitres. Peut-être 3 ou 4. Peut-être 4. Donc ça, c'était une sorte de gros monde entier avec plusieurs petits niveaux à l'intérieur, quoi.
Mais c'est méchant lui en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? D'accord. Par contre, il y a un truc super chelou, le fait qu'on voit son ombre sous la plateforme, c'est pas super bien fait quand même. Ça, j'avoue que ça fait un petit peu tâche. C'est dommage. Ok. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut envoyer leur tête dans les trous? Oh. Soit dans les trous, soit dans sa tronche à lui. Ça commence à être plus rapide là. Ah, je suis touché. D'accord, j'avais pas capté que c'était un ennemi, quoique. Si, si. Ouais, c'est bizarre, c'est une sorte de professeur mais méchant, d'entraîneur méchant, je sais pas. C'est non? Eh oui. Évidemment. Le karaté du charaté. Pas mal. Et donc on devrait arriver dans un nouveau monde, je suppose. Pause. Allez, go! Yaugrats, herb tamarind. Shoines, herbal chew, yawsum. Gilfines, curbal cue, palsum. Yaugrats, herb tamarind. Ah non mais c'est ça, c'est les méchants en fait. C'est les méchants. On pourrait presque aller au deuxième boss direct. Bon ben ma foi. Tu as réussi à débarrasser le château du ciel et ses golems de ce satané patte légère. Bravo! J'ai comme l'impression que tant que les mystigris contrôlent un chapitre, on n'aura pas accès au suivant. Ici, Tess est ton principal problème. C'est un vrai cerveau, même sa litière est automatique, c'est pour dire. Si tu veux l'affronter, tu vas devoir continuer ça. T'as lancé et trouver d'autres trèfles. J'espère que tu fais attention à toi. Bisous, Lyra. Voilà ton cadeau. Un cadeau. Ah, une vie. Ah, franchement, c'est un bon petit jeu sympa. Alors, à mon avis, il ne doit pas être très très long. En 5 heures, ça doit être bouclé, je pense. Mais bon, vu qu'il est à 30 euros, c'est à 2900 yens. Donc, je vais faire une pause. Je reprendrai un petit peu plus tard, je pense, dans 1 à 2 heures. Comme ça, je ferai une partie, en fait, pour chaque monde. Ça sera mieux comme ça. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Ou sinon, à la prochaine. Si vous regardez les vidéos sur YouTube. Bye bye.